ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. Something I know is greater, and I don't need no calculator. And that's a fact. Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce dimanche matin, journée de la fête des papas. Je souhaite une bonne fête des papas à tout le monde. Tous les papas qui me regardent, je vous laisse passer le message s'il faut. On va tout de suite se mettre au boulot parce qu'il y a du travail aujourd'hui. Comme je vous ai dit hier sur Insta, si vous ne nous suivez pas sur Insta, allez-y là. Je reçois aujourd'hui. En fait, cet après-midi, on va faire fête des pères avec Juste Kimberley, son shérif, avec les enfants. Et cet après-midi, on fait ça en famille avec les beaux-parents, etc. etc. Donc du coup... on doit faire des gâteaux. Voilà, je regardais parce que j'ai mis tout le monde au travail. Angel s'occupe de l'extérieur. Et puis Stacy, qu'est-ce que tu fais, Stacy? Stacy, elle s'amuse avec les bananes. Stacy va me donner un coup de main à la cuisine. Donc hier, je vous ai dit, je faisais 3 gâteaux. J'ai un Palanova, j'ai déjà fait la meringue, je vous l'ai montré, on le finira tout à l'heure. J'ai fait un moelleux amande chocolat, c'est une recette super facile, je vous mettrai la recette sur le blog. Pareil pour le Palanova, je vous mettrai la recette aussi sur le blog, je vais faire un Palanova aux fruits rouges. Et là je vais faire une tarte tatin à la banane, donc on va tout de suite s'y mettre. Au niveau des ingrédients, il faut une pâte feuilletée, de la cassonade, du beurre, des bananes et puis des noisettes concassées en petits morceaux comme ça. Alors je les avais trouvées à Lidl. Hop là, c'est pas du pralin, là c'est vraiment des noisettes concassées. Bon après si vous avez pas, si vous en trouvez pas, vous prenez des noisettes, après c'est optionnel aussi. Donc on y va, on va couper les bananes déjà en gros tronçons d'à peu près, combien de centimètres Stacy? 2 cm. Donc c'est toi qui fais les bananes? Je vais aller chercher le plat. Je vais utiliser une poêle sans manche pour pouvoir le faire cuire parce qu'il y a le caramel qu'on va faire sur le feu. Comme ça on mettra les bananes et on n'aura plus qu'à enfourner une fois qu'on aura mis la pâte. C'est pratique ces moules, ces poêles comme ça sans manche parce que ça passe aussi bien sur le four que sur le feu que dans le four. Allez, donc poêle sans manche que je vais garder exprès pour ça, je vous l'avais dit, hein, c'est une basique que j'ai acheté. Si j'arrive à trouver un moule, je sais que ça existe, un moule à tatin, peut-être que j'en achèterai un, mais c'est vrai que pour le peu que je fais des tatins, je ne sais pas si ça vaut le coup, enfin, je veux dire j'en fais 3 dans l'année quoi, je ne sais pas si ça vaut le coup de mettre très très cher pour un moule spécial, surtout que ça va très bien aussi avec ça. Je vais alors, peser mon beurre. Ce qu'il faut prendre déjà en premier, c'est essayer de trouver une poêle ou un plat qui est à peu près 2 cm plus petit parce que la pâte quand on va venir la mettre au dessus on va la border sur les côtés. Donc une fois que vous avez ça, on met sur le feu, hop, et on va mettre la cassonade et le beurre. Donc il y a 100 g de cassonade et 50 g de beurre et on va faire comme un caramel. Voilà, on va laisser fondre et former le caramel. Alors avec la cassonade ça va aller vite, ben déjà la saveur, j'aime bien la saveur de la cassonade et puis ça va aller vite au niveau du caramel parce qu'elle est déjà brune. Donc là je laisse fondre le beurre et faire dissoudre le sucre. Par contre je vais peut-être pas prendre ça, je vais prendre une Maryse parce que j'ai pas envie de la griffer. On surveille que le caramel, enfin on fait juste sucre, fondre la cassonade, ça va très vite en fait, je sais pas si vous voyez, le fait que la cassonade est déjà caramélisée, ça va super vite. Alors au niveau du dessert, donc ça va être la tarte tatin, le Palanova, le moelleux au chocolat amande que j'ai fait avec une crème anglaise à l'amande amère, une crème anglaise express. Vous aurez toutes les recettes hein, sur le blog si ça vous intéresse. Et la tarte tatin, je vais la servir souvent avec une boule de glace à la vanille. Voilà. Au niveau du repas, c'est plancha. J'ai fait très simple avec des salades, salade d'haricots verts, salade de pommes de terre et puis une salade de tomates mozzarella. Voilà. Je voulais pas trop passer de temps en cuisine, pouvoir profiter de ma journée, donc je pense que ça va être la bonne, bonne solution. Et au niveau de l'apéro, hier je vous avais montré, j'ai fait une petite tartinade au thon et je vous l'ai montré sur Insta.
C'est pas sur un vlog, allez pas chercher la vidéo d'hier, il y en a pas. Oui, donc j'avais fait une petite tartinade au thon et j'avais fait une rillette de thon et une trempette pour les légumes avec la sauce ranch, enfin la vinaigrette ranch. Alors en fait c'est juste du yaourt grec, un peu de skyr mélangé avec les épices ranch que vous avez sur le blog. Une fois que ça a petit bouillon comme ça, stop, on arrête. Une fois que le sucre est bien dissous, on arrête. Alors même si le beurre n'est pas bien dissous à l'intérieur, c'est pas grave. De toute façon, ça va partir au four et le caramel va continuer de se faire dans le four. Donc là, on va ajouter du coup nos noisettes. Et puis, on va mettre nos morceaux de banane comme ça dans le fond. On va les ranger correctement, bien serrés. Alors le nombre de bananes, ça sera en fonction de la taille de vos bananes. Hein. Si elles sont grosses ou pas, il va en falloir un peu plus. Une fois qu'on a bien rangé nos bananes, on vient recouvrir avec une pâte feuilletée. Alors moi, c'est une pâte feuilletée du commerce. Hop. Donc on vient la mettre sur le dessus et on va venir border tout autour la pâte. Alors faites attention parce que le caramel est encore un peu chaud, vous ne pourrez pas vous brûler. Alors c'est vraiment une tarte qui va très très vite hein, à faire et du coup qui est plutôt simple. Le plus compliqué dans la tarte tatin, c'est le déboulage. Voilà, donc je viens essayer, voilà, de bien mettre tout autour. Donc une fois qu'on a bien bordé tout autour, on va juste faire une petite incision au milieu pour permettre à la pâte de gonfler et à la vapeur de s'échapper en cuisant les, vous voyez, avec les bananes. Voilà. Et là du coup, ben, ça part au four, donc four préchauffé à 180. Ça va aller relativement vite, hein. Faut juste que la pâte elle soit bien cuite, donc à peu près 25-30 minutes. C'est par rapport aux pommes, là les bananes cuisent très vite. Stacy est en train de me couper les pommes de terre pour la salade de pommes de terre. Moi j'ai fait mes haricots verts, alors j'utilise ma petite feuille que je vous ai mis dans le... la partie repas de, du tableau de mon journal de bord. Voilà, tableau de bord, c'est dans une voiture, ça va. Et en fait, c'est pratique parce que ce que j'aime, donc je mets mon repas et je mets une to-do list avec l'organisation. Donc comme là, j'avais tout ce que je voulais faire samedi et tout ce que je voulais faire aujourd'hui. Et puis en plus, comme ça, comme j'ai mon menu qui est mis, je sais pas vous, hein, mais moi, il m'arrive toujours où je prépare un truc et je l'oublie dans le frigo. Parce que ben, au moment où on est en... voilà, il y a le monde et tout, et ben quand vous retournez dans votre frigo, ah zut, j'ai oublié de mettre ça sur la table, et voilà, parce que c'était pas noté. Là au moins tout est noté, je sais ce que je vais mettre à l'apéro, je sais ce que je vais mettre au repas, je sais ce que je vais mettre avec le dessert. Donc comme ça j'oublie rien dans le frigo, parce que souvent je vous dis j'oublie. Là ben, du coup je vais couper mes tomates, faire préparer ma salade de tomates mozza, le temps que Stacy finit de... éplucher mes pommes de terre. Je vais filer le sale boulot parce que si vous nous suivez depuis un moment, vous savez que j'ai horreur d'éplucher les pommes de terre. Mais là, elle s'est mis un manga et voilà. Elle a la belle vie. Hein? T'as la belle vie, Stacy? Ou c'est chiant éplucher les patates? Ça colle, surtout quand elles sont cuites là. Pareil, je les ai fait cuire hier, comme ça elles sont bien fermes pour la salade de pommes de terre, c'est mieux. Quand elles sont froides, elles se rétractent. Alors que quand elles sont chaudes, après elles s'éboulent un petit peu. Donc souvent quand je fais des salades de pommes de terre, je les fais cuire un petit peu à l'avance. Et quand je peux, la veille comme ça. Ouais, je préparais ma salade de tomates. Donc j'ai pris un trio de tomates de couleur, des tomates anciennes. Je vais mettre de la mozzarella, des petites olives noires coupées en tranches. Et je pense que c'est tout. J'allais mettre des oignons, mais je sais pas si... ouais. Donc je pense que c'est tout. Et on arrosera, et un peu de basilic ciselé, et j'aurai plus qu'à arroser quand arroser
mettre un petit filet d'huile d'olive, un petit filet de crème de balsamique, sel, fleur de sel et du poivre. Voilà, salade très simple mais super bonne. La mozzarella bufala, c'est la meilleure. Enfin pour moi, hein. Après chacun ses goûts, mais je trouve que la mozzarella bufala a rien à voir par rapport, que ça soit la texture ou quoi, par rapport à la mozzarella classique qu'on met sur la pizza quoi, en fait. Quand je veux faire une la manger crue en fait, la mozzarella, je prends toujours la bufala. Alors, une fois que c'est cuit, hop, la pâte elle doit être bien dorée. On laisse juste 2-3 minutes refroidir un tout petit peu, mais pas trop longtemps parce que le caramel après il va vite figer et c'est pas ce qu'on recherche, on va pas savoir la démouler. Les bananes vont rester, déjà là on va croiser les doigts pour pas qu'elles restent accrochées. Donc là on attend juste 2 minutes et ensuite on vient avec une grande assiette, pouf, et on retourne. Et faites attention parce que le caramel est très chaud, je vais le faire hors caméra justement moi pour pas faire de bêtises et pas me brûler, mais le caramel est chaud et vous... En retournant, vous risquez de reculer, de vous brûler. C'est vraiment la seule difficulté de la tarte, hein. C'est le démoulage en fait. Voilà. Alors après, si mettons il y a 2-3 bananes qui restent collées, bah, en semblant de rien, vous les remettez tout de suite. Logiquement, ça se verra pas. C'est démoulé. Nickel. Je vais vous montrer. Regardez-moi ça. Hop, de plus près. Ah. Voilà, donc maintenant bah, il n'y a plus qu'à la laisser refroidir. Regardez-moi ça. Mmh. Alors les gâteaux au niveau du dessert c'est fait. Alors il me reste au niveau du pavlova, faire la chantilly, enfin la chantilly qu'on va mettre au-dessus, mettre les fruits. Mais ça je le ferai après manger. J'aime bien le faire un petit peu, juste un petit peu, une heure quoi en fait avant. Parce que la crème a tendance à faire ramollir la meringue et ce qui est bon... Dans ce gâteau, c'est le croustillant de la meringue, le fondant de la crème et la petite acidité en fait des fruits. Donc c'est bête d'avoir une meringue toute momole quoi en fait. Donc je le ferai tout à l'heure après manger. Ça va aller vite. C'est juste, je vais juste devoir monter ma chantilly et puis la décorer. Autrement le reste est fait. Au niveau des salades, donc salade haricots verts elle est faite. La salade de tomate mozza, je vais vous montrer. Voilà ce que ça donne. Donc plein de petites couleurs. Hop. J'ai préparé des petits champignons aussi et des oignons pour faire à la plancha celui qui veut. Et j'ai gardé quelques pommes de terre parce que le chéri de Kim n'aime pas la salade de pommes de terre. Qui n'aime pas la salade de pommes de terre? Non mais franchement. Donc là je vais faire une salade de pommes de terre mais un petit peu spéciale. Je vais vous montrer. En fait le spécial est dans la vinaigrette. C'est une vinaigrette qui est cuite on va dire. Déjà les oignons sont cuits. Donc là c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de faire revenir un petit oignon qu'on a coupé en petits dés. Et je le fais... cuire et doré. Je vais vous installer. Donc alors, pour la petite vinaigrette de salade de pommes de terre, donc déjà ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait revenir des lardons de bacon pour donner un petit peu de saveur à cette salade. Je fais gaffe parce qu'il y a Luna qui est dehors. Luna, ah, du coup, je vous disais, pour les lardons, vivement qu'elle va s'opérer. Hein. Là, franchement, ça commence à devenir compliqué. La porte est de plus en plus ouverte. Ils nous annoncent des grosses chaleurs. Et voilà, que ce soit pour elle ou pour nous. Donc, les dés de bacon que j'ai fait dorer, que j'ai mis sur le côté. Là, ici, j'ai un oignon que j'ai émincé. Je l'ai fait dorer dans un petit peu d'huile d'olive ou dans le gras des lardons. Qui m'en rend plus. Moi, c'est ce que j'ai fait. Bon, même si c'est du bacon, ça rend pas beaucoup de gras, mais bon. Et ensuite, on ajoute 2 gousses d'ail émincées. Donc, on fait cuire ça un petit peu. On fait un petit peu dorer l'ail. Et là-dedans, on va mettre l'huile, le vinaigre, de la moutarde et un peu de sel de céleri. Voilà. Dans cette recette, d'habitude, je mets des branches de céleri aussi. C'est vraiment très très bon. Ça apporte un petit croustillant dans la salade. Là, j'en ai pas mis parce que j'en ai pas trouvé hier à Auchan. Et je voulais pas faire un magasin de plus. Donc, mais autrement, j'en mets. Je vous mettrai la fiche recette sur le blog si ça vous intéresse. Ça fait une petite salade de pommes de terre qui change un tout petit peu. Et tout est dans la petite vinaigrette là. Qui est chauffé. Donc là du coup, une fois que notre ail est revenu, on va ajouter 3 cuillères à soupe de vinaigre de cidre, 2 cuillères à soupe d'huile neutre, moi c'est de l'huile de colza, donc 2 cuillères à soupe, 1 cuillère à soupe de moutarde de Dijon,
on va mélanger. Et on va ajouter une demi-cuillère à café de sel de céleri pour aller avec les petites branches de céleri que logiquement il y a dedans. Et ça apporte une petite note de céleri qui va très très bien avec le bacon et les pommes de terre. Et la petite vinaigrette. Donc on mélange, on fait dissoudre en fait la moutarde, on fait reporter à ébullition en fait. Alors une fois que la moutarde est bien dissoute dans la vinaigrette, on ajoute les lardons de bacon, on mélange. Et là, on n'a plus qu'à mélanger avec les pommes de terre. La cuillère à soupe de persil, on va rajouter un peu de sel et un peu de poivre. Et puis j'ai un oignon tige aussi, un oignon vert pour apporter un petit peu de fraîcheur à la salade. Donc là on ajoute la vinaigrette et on mélange tout délicatement pour ne pas faire de la purée avec les pommes de terre. Et en fait vous voyez, l'originalité de la salade c'est dans la vinaigrette en fait. Et franchement elle est vraiment top cette salade. Les petits bacon et tout là. Alors moi ça m'arrive aussi, bon là je vais la faire en accompagnement, mais ça m'arrive, je rajoute plus de bacon. Donc là j'ai mis 100 grammes, mais il y a deux mois je la mets en 200, je mets 200 grammes et je la fais en plat complet avec de la salade. Donc là je vais rajouter un peu de sel, un peu de poivre et la salade est faite. Je vous montre le nouveau jouet de Greg. T'es content chéri? Ouais. Un truc pour voir s'il vaut. Bah si tu viens de le tester, arrête. Il vient de le brancher. Donc voilà, un barbecue. Donc attendez-vous à avoir des recettes de barbecue qui vont arriver. Donc on a acheté la plancha pour aller avec. Là il y a un truc pour faire cuire dessus. On a acheté la plancha, on a acheté aussi une petite poêle pour mettre dessus. Il y a un truc aussi, un tourne-broche. Et puis, qu'est-ce qu'on a pris aussi? Il y a un autre truc, hein. Ah oui, on a acheté un fumoir aussi. Un truc pour faire, pour donner le petit goût de barbecue. On vous montrera quand on va s'en servir. Voilà, et là du coup, bah, en fait, il fait four en même temps. Avec le petit... voilà. Voilà. On n'a plus qu'à jouer. Et du coup, moi, ce soir, à ce midi, je pense que au lieu de la plancha, ben, ça va être barbecue. En plus, il pleut pas. J'ai reçu mes pailles en verre aussi. Je vais vous les montrer. Je les ai commandées sur Amazon. Je vous avais dit que je voulais des pailles réutilisables pour éviter d'utiliser tout le temps les pailles en plastique. Et j'ai acheté chez Amazon des pailles. J'ai vu des pailles en verre et je me suis dit que ça aurait peut-être un côté petit peu plus chic, on va dire, que des pailles en métal, en inox. Elle passe au lave-vaisselle et tout. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'on voit à l'intérieur, vous voyez quand elles sont bien propres et tout. Je vais vous les montrer. Voilà, du coup, les pailles, alors en fait, il y a un lot de, c'est un lot de 8. Il y en a deux grandes, deux petites droites, deux grandes courbées et deux petites courbées. Et il y a le petit goupillon pour les nettoyer. Voilà, donc c'est du verre, elle passe au lave-vaisselle et tout. Et on verra, je vous dirai si elles sont bien ou pas. On l'a mis là, mais il ne va pas rester là. Là, c'est parce qu'après, il va y avoir le spa. Mais d'abord, on doit changer la moquette, je vous ai fait montrer sur Insta, enfin la moquette, on va mettre du gazon, du faux gazon, du gazon artificiel. Je vous ai montré sur Insta qu'on avait racheté des... Vous voyez les trucs qu'on avait achetés vendredi? Et en fait, on n'avait pas fait attention quand on les a achetés, il y en a un arrondi et il y en a un avec le fond plat. Et c'est en les mettant qu'on s'en est aperçu et on a voulu aller en rechercher des autres hier. Il n'y en avait plus, donc du coup on l'a gardé. De toute façon j'allais le garder, mais en attendant qu'on retrouve un rond pour mettre là, bon, on l'a laissé. Mais celui-là, logiquement, on va le mettre ailleurs quoi, en fait, par la suite. Qu'est-ce qu'on avait acheté aussi? Oui, on avait acheté les petites fleurs qu'on a mis là. Voilà, ici. J'ai acheté un pot carré aussi avec la petite fleur pour mettre sur la table ici. Et puis le gros aussi qu'on a mis ici. Voilà. Il n'y aura plus qu'à enlever le gazon. Et après, on va être bien. Hein? Bon, allez, du coup, moi, je vais vous laisser. Je vais vous visionner, faire montrer un petit peu en musique notre journée. Mais je vais vous laisser jusqu'à ce soir. On va profiter de notre journée. Profiter de la famille. Ah oui, on a été à Kiabi aussi. Oui, en ce moment, on est en train de se rattraper de tout ce qu'on n'a pas acheté pendant le confinement. Et Greg, du coup, s'est acheté deux tenues à Kiabi.
On n'allait pas pour Greg, hein, on allait pour chercher un truc pour son père. Tu vas faire voir après. En fait, il s'est pris un pantalon, un chino bleu clair avec un t-shirt tout simple col V blanc. Et il a pris une chemise en lin bleu, mais bleu, je sais pas, un petit peu turquoise et tout, avec un petit short blanc. Il va être beau avec. Donc voilà. Donc je vous montrerai. De toute façon, vous allez le voir. Vous allez le voir, il va être. Il est parti changer, je vous montrerai. Et ensuite, oui, je filmerai en image. Je vais profiter de ma journée, profiter de ma famille. Vous verrez les petits plats, les desserts passer et tout. Puis du coup, on se revoit face à face comme ça. Juste après, je vous fais montrer Greg. Et ensuite, on se revoit face à face comme ça ce soir. Je vous montre du coup Greg comme promis. Voilà. Alors, c'est un petit habit. Faut pas regarder les jambes. Donc, c'est une. Elle était à combien cette chemise? 15 euros, je pense. Ouais. Donc, c'est une chemise un peu en lin. Elle est toute légère. Elle est belle. Et puis, le petit short, je sais plus combien aussi. Je vais regarder. Les étiquettes, tu les as jetées? Voilà. Il est beau. Non. Mais c'est le mien. Allez, on va passer à table. Je vous montre du coup l'apéro. Hop, des petites chips, la trompette qu'on a fait ensemble sur Insta hier, et puis ensuite 14 et 15. Ah, 14 et 15. Donc 15 la chemise et 14 le short. Voilà. Avec la petite ceinture qui est avec. La salsa que vous pouvez retrouver sur le blog, la tartinade qu'on a fait ensemble aussi hier. Saucisson et des jambons. Ouh. Et des deux fromages. Voilà, et je vous montrerai du coup en image le plat, la viande, comme je vous avais montré sur Insta, à la boucherie où on avait été. Je vous en parlerai un petit peu plus ce soir, mais vous le verrez en image. À tout à l'heure. Mais j'adore recevoir, mais j'aime bien aussi quand tout le monde s'en va et que je retrouve le calme et une maison rangée. On a juste envie c'est de se poser, hein? Ouais, c'est vrai que ben, dès qu'il y a beaucoup d'enfants comme là après, donc il y avait les neveux et tout, dès qu'on, ça fait
du bruit, ils jouent, ils crient, mais bon, c'est normal, hein, c'est des enfants. Hein. Voilà. N'importe quoi. Hein. Alors, on va se poser. Alors, Greg, ton barbecue, il est comment? Dis-nous tout, chéri. Il est bien? Ouais, il est bien. Il est bien? Bah, tu le dis souvent. Ouais. Barbecue, ouais, si, il est bien. Et ça a été vite, il y a eu su tout faire cuire, il y avait beaucoup, et il y a eu su tout faire cuire en même temps pour réchauffer et tout. Ouais, on aurait plus galéré avec notre petite. Ah ouais, on va pouvoir. Greg adore l'entrecôte. La côte à l'os. Ça, il aime bien ça. On a eu de la pluie après. Il a fait beau. À un moment, il chauffait, même on a dû mettre le parasol et tout. Et on a eu le temps de manger. Et ensuite, il a commencé à pleuvoir. Il n'y a plus toute l'après-midi en fait. Non, il s'est arrêté. J'ai fait tout nettoyer en gel pour rien ce matin. Parce que voilà. Alors, les cadeaux de Greg, je ne sais pas si. Enfin, je vous laisse faire mon train, mais il y a eu une belle tasse style mug en métal là. Non. Bah, c'est style comme ça. Ouais. Oui, et là, elle n'est pas en métal, ouais, mais c'est style comme ça. Il y a eu un vinyle. Il est bien son vinyle. J'aime bien les musiques. Et puis, un collier. Voilà. Et puis, bon, il y avait le barbecue et tout et tout. Puis, la journée en famille. C'est ce qui est. C'est le plus beau des cadeaux, ça. Hein, chérie? Ouais. Ouais, bah, du coup, nous, ce soir, on va. Ça a plus de valeur que. Rien manger. Parce qu'on vient de. Il est 18h et on vient de sortir de table. Hein, pratiquement. Donc, si on mange, ce sera les restes de ce midi, je pense. J'ai fait trop. Il y a encore plein de crudités, de pommes de terre, de carottes et tout. Donc, enfin, de carottes, d'haricots verts. Donc, du coup, voilà. On va, soit on mange ça ce soir, ou soit on mangera ça demain midi. Si on mange pas ce soir. Ouais. Il reste du gâteau aussi. Par contre, je vous ferai montrer tout à l'heure parce que j'ai oublié de filmer alors, la tarte à la banane. Je voulais filmer, oui, parce que je vous ai filmé la recette. Mais l'intérieur du fondant, enfin du moelleux chocolat amande, c'est vraiment très tendre. Par contre, le gâteau qui a fait fureur, et à chaque fois ça fait fureur, c'est la Palanova en fait. Et là, le fait que je l'avais mis en forme de couronne, j'ai enlevé le crochet de ma boucle d'oreille. J'essaye de le remettre en même temps. Ça a changé de forme et tout. Et franchement, c'était joli. J'avais mis des fruits rouges dessus. Donc, quelques fraises. Il y avait des cassis, des groseilles, du potager à Greg. Et tout est parti. Alors, je vous aurais mis la recette sur Insta. Enfin, sur le blog. Allez voir. Il y aura les recettes de toutes les recettes. Enfin, les fiches recettes. Et les recettes écrites de toutes les recettes d'aujourd'hui. Il fait beaucoup de recettes là. Hein. Oui, donc ça, c'est. Mais à chaque fois que je le fais le Palanova, franchement, c'est une Palanova. À chaque fois, je dis mal. Palvlova. À chaque fois, c'est une valeur sûre. Valeur sûre. À chaque fois, je bégaye. Pourquoi tu te marres? Je bégaye, je cherche mes mots. Oui, ça, le tarte à la banane aussi, enfin la tarte renversée à la banane, elle est bien, bien plus aussi, et le fondant au chocolat aussi, hein, en même temps tout, mais la meringue, à chaque fois. Bon, allez. Donc, je vous montrerai tout à l'heure si on mange un morceau, je vous montrerai à l'intérieur, mais même si on mange pas un morceau, il faut que je fasse une photo de toute façon pour le blog. Donc, du moelleux chocolat amande. Et faut que je fasse une photo aussi pour de la tarte à la banane. Tarte renversée à la banane. La tarte tatin à la banane. Je vais y arriver. Je suis fatiguée. En plus, je vous ai pas dit, hein, mais hier, donc on a été chercher le barbecue. On a fait. Enfin, on a fait plein de magasins en fait. Hein, hier, on a fait les courses. On a été à la boucherie. On a été à Kiabi. On a été à Famille Flora du coup pour changer mon panier et que oui non on traînait pas pour changer le panier. On a été à Cultura aussi. On a racheté des livres pour Stacy parce que malgré celui qu'on avait acheté voilà. Et je sais pas vous hein, mais moi quand on va dans le Cultura, ils sont vachement, enfin Cultura, Kiabi, je les trouve vachement sécuritaires et ça fait c'est rassurant en fait de voir que malgré le déconfinement, malgré tout, voilà,
qu'il y a plein de gens qui lâchent la pression, et ben que eux ils tiennent bon. Et du coup ça me fait plaisir d'y aller en fait et de les encourager dans tout ça, parce que quand on y va, on a du gel pour se désinfecter les mains, ils font attention que tout le monde a bien le masque, ils limitent le nombre de personnes à l'intérieur du magasin et tout, et je trouve ça super rassurant, et je trouve ça très correct de leur part en fait de continuer à faire ça. Il y a certains magasins qui font pas du tout attention, parce que comme là on a été à Famille Flora, et franchement là c'était une horreur, il y avait énormément de monde, et on n'arrivait même pas à tenir les 1 mètre de distance quoi en fait, et il y avait énormément de monde sans le masque. Oui, il y avait pas de là, pas que là, parce que c'est vrai que même à la boucherie quand on a été, on était les seuls, Greg et moi. Alors c'est la boucherie où on a été, je vous ai fait montrer en image hein, ce qu'on avait mangé. Donc le colis en fait c'est des colis. Donc là c'est un colis barbecue apéro. Donc c'est tout des mini brochettes. Donc par exemple les brochettes de crevettes, il y avait deux grosses scampi, enfin ce qu'on appelle des scampi en Belgique, c'est des grosses crevettes. Il y avait des mini brochettes de poulet, mini brochettes de dinde, il y avait mini saucisses, mini merguez, enfin voilà, c'est tout des mini, mais je trouve ça bien parce que quand on mange un barbecue, si on a trop de viande en fait, ben on évite, mettons une saucisse, une merguez, mettons un pignon de poulet ou un truc comme ça, parce qu'on évite bourré quoi en fait, et on n'arrive pas à tout manger. Là comme c'est tout en mini, ben on a bien la variété, il y a plein de choix et on peut manger un petit peu de tout. Oui, donc la boucherie qu'on a été, c'est à Menin. Et ça s'appelle Deken Bassin. Voilà. Si vous regardez sur internet, vous devriez le trouver pour celles qui sont de la région. Et là, comme là, le colis, donc pour 4 personnes, il y avait 8 mini brochettes, 8 mini bouchées, ils appellent ça des bouchées, 8 mini bouchées pour 20 euros. Alors là, je crois que c'était une promo, d'habitude c'est 25. Mais je trouve ça raisonnable en fait. Et franchement, voilà, la viande elle est bonne et tout. Donc voilà, pour le colis de viande. Et je sais plus pourquoi je vous disais ça. Oui, qu'à la boucherie. Donc c'est une très très grande boucherie. Elle est énorme cette boucherie. Il y a énormément de choix et tout. Par contre, le seul truc, c'est qu'ils parlent néerlandais. Et les affiches et tout, de la viande et tout, les colis, les machins et tout, tout est en néerlandais. Donc si vous parlez pas néerlandais, vous êtes un petit peu dans la mouise. Comme là, à un moment, bah, il y a un pavé. Une brochette en fait, hein. Il y avait des brochettes, on lui demande ce que c'est, on lui demande si c'était du bœuf, et la jeune fille, donc elle parlait français, hein, mais elle nous dit, bah non, c'est du hart, et je savais pas ce que c'était en fait en néerlandais, ce que ça voulait dire hart, et du coup elle nous dit, c'est les trucs là, avec des petites oreilles, et elle cherchait ces mots en français en fait, pour essayer de nous expliquer, et en fait c'était du cerf, donc elle savait pas ce que c'était, elle n'arrivait pas à nous l'expliquer. Je lui dis, mais espérons, on va le prendre quand même. Mais alors, quand elle a pesé les 5 brochettes, quand j'ai vu le prix du truc, je me suis dit, oh, je sais pas ce que c'est, mais à mon avis, c'est pas du bœuf. C'était à combien le kilo? 38 euros le kilo. Donc, pour les 5, 6 petites brochettes, on en a eu pour 15 euros. Bon, ouais, c'était exceptionnel, donc ça va. Mais oui, et en fait, après, il y en a un qui est venu après, qui avait été demandé ce que c'était, et c'était du cerf, voilà. Donc c'est pour ça que c'était si cher, je pense. Mais bon, c'était bon. Voilà, donc oui, c'est tout en néerlandais et tout. Mais franchement, la viande, elle est bonne. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choix de viande aussi. Je voulais une boucherie. Bon, allez, moi, je vais arrêter de papoter, parce que ça fait déjà 10 minutes que je vous parle, là. Ouais. Allez, je vais commencer à monter le vlog, et tout à l'heure, si on mange un morceau de gâteau, je vous montrerai à l'intérieur comment c'est. Mais je pense qu'on mangera pas, hein, du coup, ce soir. On mangera peut-être un morceau de gâteau par gourmandise, ou juste pour faire la photo. Et puis, on se partagera ensuite la part. Et puis ensuite, voilà, on ira faire dodo. Une petite douche et un dodo, bien mérité. C'était pour ça que j'emmenais à ça, et du coup, je me perds, hein, je parle tellement que je me perds. Donc, hier soir... hier soir, donc on n'a pas arrêté de faire les magasins et c'est reparti pour 10 minutes. Donc on n'a pas arrêté de faire les magasins et on a acheté le barbecue à Famille Flora. Voilà, donc il nous fallait une bonbonne de gaz. Donc on a été ensuite à Auchan chercher une bonbonne de gaz et on est rentré. Pourquoi tu te marres? Non, mais en fait, je suis en train de me rendre compte que tu es en train de parler du barbecue et t'as dévié jusqu'à la boucherie. C'est grave, hein? Je parle trop.
Mais là, tu arrêtes de pas, tu vas me faire perdre le fil encore. Donc, on a été chercher la bonbonne de gaz. On a été faire les 2-3 courses à Auchan qu'on avait besoin pour aujourd'hui. On est rentré et il fallait monter le barbecue pour aujourd'hui. Donc, les explications, on va dire, du montage du barbecue, ils n'étaient pas très, très, très simples. Parce que 2-3 fois, on avait monté les plaques à l'envers. Enfin, voilà, qu'on a dû tout redémonter parce que quand on voulait remonter une autre partie, ben, on se rendait compte qu'il y avait un truc qui était mis à l'envers. On en a eu jusqu'à 1h du matin. Donc du coup on n'a pas dormi beaucoup, donc on est fatigué. Bon allez. Non, on aurait pu dormir beaucoup s'il n'y avait pas un chat qui était venu me réveiller à 6h du matin. Elle est venue souhaiter une bonne fête à Greg. Hein? Elle est venue lui faire des câlins à 6h du matin. Elle est venue lui ramener son petit café au lit. Hein? Elle aurait pu, elle l'aurait fait. Bon allez. Moi j'arrête de papoter, je vais commencer à monter le vlog. Il pleut encore et là j'ai froid. Là. Je sais pas si c'est parce que je suis fatiguée ou quoi, mais je suis gelée. Je vais aller me prendre une bonne douche d'après. Donc on n'a pas mangé. On n'a pas faim. Mais on va se laisser tenter pour une petite part de gâteau. On va se la partager en fait. Comme ça, j'ai pu faire les photos des deux gâteaux que j'avais pas fait. Je vais pouvoir vous mettre du coup les recettes sur le blog. Donc je vais vous montrer donc la tarte tatin à la banane. Voilà ce que ça donne du coup. Et je l'ai servi avec une boule de glace à la vanille. Et puis le fondant, le moelleux au chocolat. Alors vous voyez, il est très très... très très fondant, il a fait fureur aussi avec une crème anglaise, voilà, à l'amande amère. Voilà, c'est une crème anglaise express que je fais au micro-ondes et que j'aromatise avec de l'amande, voilà, de l'extrait d'amande amère. Ça va très bien avec le gâteau. Le gâteau est très très simple à faire. Il n'y a aucune difficulté dedans, il n'y a pas de levure, donc vous allez obtenir un gâteau qui est bien gonflé. En fait, c'est les blancs en neige qui font gonfler le gâteau. Et dedans, il n'y a pratiquement pas de farine. C'est beaucoup de poudre d'amande. Vous avez un gâteau très moelleux, très tendre et limite, voilà, fondant. Avec un bon goût d'amande. Alors moi, je rajoute de l'amande amère dedans pour avoir encore plus ce goût d'amande. Et en fait, c'est juste du chocolat qu'on fait fondre avec du beurre. On ajoute les jaunes d'œufs, le sucre. On mélange tout ça. On ajoute un petit peu de farine, un peu d'amande. On mélange et on ajoute les blancs en neige qu'on a montés en neige. On fait attention de ne pas refaire tomber les blancs quand on mélange tout ça. Et on met au four. Franchement, c'est d'une simplicité. Et à chaque fois, il fait fureur ce gâteau. Il est pratiquement rentable. Et l'amande amère. Donc je vous mettrai les deux. Enfin, et la crème anglaise. Je vous mettrai les deux fiches recettes. Elles sont sur le blog. Donc le gâteau et puis la crème anglaise express. Alors je vous ai mis la crème anglaise express en fiche recette. À vous de l'aromatiser si vous, comme vous voulez. Là, je vous ai mis la base à la vanille, celle la traditionnelle en fait. Mais après, voilà, là moi j'ai mis moins de vanille et j'ai rajouté un peu d'amande amère dedans. À vous de voir à quoi vous voulez la parfumer. C'est pâte de pistache, du cacao, enfin voilà, ce que vous voulez. Hop là. Là c'est parce que ça allait très bien le mélange en fait des... avec le gâteau quoi en fait, ça rappelait l'amande du gâteau. Bon allez, moi je vais aller porter ça à Greg et puis je vais manger ma petite part de gâteau aussi, puis je vais aller prendre ma douche, finir de monter le vlog et aller me mettre au chaud au lit. Je suis gelée franchement. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à demain du coup pour une nouvelle journée avec nous. Bye, bisous, à demain.